Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la Terre. Alors, pour cette vidéo, je suis en compagnie de mon amie Anaïs. Salam alaikum, les Gaulois et les Gauloises, que la paix soit sur vous. Voilà, mon amie Anaïs, et j'ai reçu ceci par la poste. Alors, je ne sais pas si ça va bientôt ressortir, ouais, ça ressort hein, dans oui, le cadrage. Alors, qu'est-ce justement. Que c'est que ça, Michel? Alors, ça, c'est, je pense, le pouvoir du moment futur, mon livre que j'ai commandé pour la première fois au format papier. Donc, ben, on va l'ouvrir. Unboxing, allez. On attaque. Voilà, je suis dans la peau là, d'une youtubeuse typique qui ouvre son truc. Tentiment. Alors, à quoi ça ressemble? Oui, c'est ça. Waouh, ils sont jolis. Ils sont jolis. Alors, trois exemplaires. Le pouvoir du moment futur, Zora Dark. Alors, baisse-le un peu pour qu'on le voit bien. Ouais, par ici. Ouais, ah, c'est bon. Donc, ben, on voit bien mon logo quand même, hein, Zora Dark, là. C'est le nouveau logo de la maison d'édition qui est en cours de création. ben, pour mon futur, ouais, mais pour en finir avec Cartolé, les autres gourous. Voilà, et vas-y, pose-moi des questions, s'il te plaît, Alice. De quoi ça parle? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Donc, ça parle du pouvoir du moment présent, le best-seller des Cartolé, qui est un livre, pardon, je gargouille, extrêmement toxique, auquel moi j'ai énormément adhéré avant ma conversion à l'islam, et qui m'a fait beaucoup de mal aux neurones. Et en fait, c'est le pouvoir du moment présent est un livre qui rend bête. Et là, j'ai expliqué pourquoi. Donc, je suis rentrée dans dans les raisonnements des Cartolé pour montrer à quel moment il déraille, mais gravement, et dans quel sens il nous entraîne, en fait. D'accord. Et ça peut être utile, même si on n'a pas lu les Cartolé. Oui, dans la mesure où les idées des Cartolé, en fait, elles sont aussi celles de beaucoup de gourous, pas du développement personnel, pardon, du New Age. Mais par exemple, Eckhart Tolle, il est rangé dans les auteurs du développement personnel, dans les librairies, alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est un auteur qui tire vers le bas. Donc, oui, c'est utile pour toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la spiritualité, à la paix intérieure. Parce qu'en fait, Eckhart Tolle, il vend, entre guillemets, la paix intérieure, mais beaucoup trop cher, puisqu'on l'achète au prix de son cerveau, ce qui est quand même très très cher. Quoi. On peut l'avoir moins cher. Voilà, donc je trouve qu'il est pas mal, hein. Je suis pas mécontente de la présentation. J'ai la couverture. Bon, alors attends, je vais montrer l'intérieur un petit peu. Pour le pouvoir du moment futur. Pour en finir avec, je sais pas si on le voit là aussi. Oui, on voit, ouais. C'est bon, alors voilà, bon, vite fait. Hein. Paix surhumaine ou bonheur conjugal, modèle courant. Voilà, donc j'ai parlé pas mal de l'ego aussi dans ce livre. Et qu'est-ce que j'avais rajouté aussi quelques trucs, parce qu'en fait le livre existe depuis déjà pas mal d'années et là je l'ai amélioré et un petit peu étoffé. Ah oui, j'avais rajouté un chapitre sur le bien, le mal et le gourou, qui est pas mal je crois, si je me souviens bien. Et réhabilitons l'ego, parce que moi je suis totalement contre les discours anti-ego et je donne mes arguments. D'accord. Voilà, alors Anaïs, est-ce que tu vas lire? Comme t'en as trois, j'en veux bien un, moi. Ouais, très bien, voilà, bah, donc je t'en donne un. Voilà. Merci beaucoup. Tu vas le lire et puis on en reparlera dans une autre vidéo ? Oui, bien sûr. Ok, ouais, super. Je suis impatiente de le lire. Ah bah c'est cool. Alors, tu vois, il est pas très long de toute façon. Hein. Ouais, c'est pas... il est court. Ouais. Voilà, et à la fin, j'ai donné quelques très bons conseils de lecture pour les gens qui veulent soit devenir plus intelligent, soit devenir plus calme. Puisque le sujet du bouquin des Cartolé, c'est le calme en fait, le pouvoir du moment présent. C'est en gros comment être super serein, avoir l'illumination, blablabla, en toutes circonstances. Ça a l'air facile à lire en fait parce que c'est bien espacé. Et... Oui. Voilà, bon ben sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci Anaïs d'avoir participé. C'était un plaisir. Hein. Ma première fois sur YouTube. Voilà, très bien. À bientôt.